Bonjour, Frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fernand Lundi, votre chef à la maison, qui rentre la caille nous. Moi, dis-nous merci pour bouche à l'oreille que nous fait pour moi. Merci pour confiance vous. Et tout nouveau et nouvel abonné nous gagnons. Moi, dis-nous bienvenue sous chaîne. Moi, demandez-nous pour nous activer cette cloche, nous gagnons qui pour faire nous connaître les publier en ligne. Moi, dis-nous merci. Je dis à la, moi, le fait pour nous. Ok? Yon ti gratiné de lambi avec banane. Ok, qu'on a pour commencer. Même banane la lame, découper la petit morceau avec comme ça, on met dans de l'eau fraîche. Juste banane qui a cuit déjà. Comme, ok, on va tout couper dans petit cube qu'on a là, les fines cuites. Vraiment bien cuites là. Nous, c'est avec qu'on a là, moi pour le faire gratiner de lambi et banane. Qu'on a mis poil moins là, qu'on a mis le parti procédure pour me faire lambi gratiner avec banane. Mais la bia, je suis en cuite déjà. Je vais couper un petit morceau, très petit, qu'on a là pour mal faire avec banane. Okay? Tout le monde qui a regardé la vidéo là, actuellement, à la fin de la vidéo, il y a une petite vidéo qui apparaît qui dit lambi. Vous pouvez cliquer sur lui, sur l'autre vidéo qui est venue, je vais vous montrer comment pour cuire la bia. Et je vais promettre nous, chaque fois que je fais une recette avec la bia, je vais toujours arriver avec elle comme ça. Et mes bananes n'ont fait que ça cuit avec nous là. Ok. Poisson, j'aime pas mettre sel dans les bananes. Je vais juste faire le cuit tout seul. L'ambia aussi. Si c'est long, on l'ambi haïtien. Bon, l'ambi créole ou joigne. Généralement, il y a un sel. Mais moi-même, l'ambi, ça, moi, je joigne dans le pas de sel là-dedans. Donc, je ne vais pas mettre sel ni dans l'ambia, ni dans les bananes. Ok. Qu'on a commencé pour ces dieux. Mettons-t-il l'huile chaude. Qu'on a là, moi mettez un petit oignon entier coupé en petits cubes. Une fois oignon bien sué, moi déposer l'ambia là-dedans. Qu'on a là, moi mettez une cuillère épice là-dedans. Épice haïtien créole, nous gagnons à Kanou. Qu'on a là, moi mettez sel. Moi mettez sel là-dedans. Et on détruit deux petites cuillères. Qu'on a là, moi mettre poivre, ok? Ok, là, je gratte les poils là comme ça, je vais chercher tout le sucre qui est en bas poil là, ça veut dire goût. Ok, qu'on a là, je mettre un petit poivron. Regardez ça. Ça là, c'est bouillon lambia. L'aime de mettre bouillon, l'aime de mettre lambia bouilli. Pendant que tu bouillis, après 15-25 minutes de bouillon comme ça, et puis je prends un peu de bouillon parce que je connais que j'ai besoin. Nous avons regardé ça, ils ont fumé de lambi. Ok? Qu'on a besoin d'utiliser là-dedans. Qu'on a là, moi-même là, actuellement, nous connaissons si piment bouc, nous connaissons aimer ça. Moi-même, tout, nous avons une façon d'utiliser piment bouc. Moi, pas gagné piment bouc. Avec dit piment bouc là, qu'on a là, moi, tu apprends. Poa sans grenan, n'a émincé mettre là-dedans. Étant donné que moi pas gain piment bouc, moi mettons un petit persil. Avait dit considérer ce petit piment bouc ou émincé sous t'a mettre là. OK? Waouh, ça commence à être vraiment beau. Là. OK? Bon, là maintenant qu'on a là, moi pour le déposer une tasse de bouillon de lambi. Selon moi, ça c'est une tasse d'eau qu'on a là. On va quitter le feu, on va mijoter. Okay? Pendant quelques temps, on va mettre ça mijoter. Ça veut dire qu'il n'est pas monté fort, il n'est pas bouilli. Il est mijotage. Qu'on a là, on va mettre 2 cuillères de farine là-dedans. Okay? On va mettre directement là-dedans. On va pas besoin d'inquiéter, ce n'est pas un problème. Ça va bien passer pareil. Et puis, qu'on y a là. Banane moi t'es bien cuite là, même quand tu t'es lambi, c'est même quand tu t'es banane là, ok? Si toutefois, on ne peut pas compter la cao. Mais avec farine là, et banane là qui vient d'entrer dans ça, qu'on a la main quitter l'onti Jean, continuer, j'avais dit pour un petit peu épaissi. Et puis après, avant tout là, on va ajuster le goût. Qu'on a qui ça nous regarder, nous regarder que si banane là commencé à l'onti Jean, sauce là tout à PPC ensemble. Nous est tout à PPC. Bon, qu'on a là, moi goûter li bon, sauf que m'a conti piment. Bah bon, menti, m'a conti piment.
ça la caille moins. Ou même pas oublier la caille ou mettre un petit piment, ou bien ou émincer pour piment, juste pour piment simplement, t'as pas le ballon d'autre goût différent là. Ok? Mais c'est bon là, c'est excellent. Hein? Là maintenant, moi je fais mes fois. Là, moi censé gagner un petit pâte très épaissi là. Il n'est pas trop épaissi étant tel, mais il prend une forme. Là, c'est prêt. Qu'on a la moelle partie. Qu'on a la, regarde. T'as l'air de te mettre épaissi, c'est pour me montrer que si toutefois tu as un piment, ou tu as mis là. Normalement, si toutefois tu as fait la KO, ou mettez piment haché, ça veut dire pour piment boucle là, ou tu as mis le moment où tu as mis là, qu'on a confiné femelle comme ça, c'est là ça qu'on a, ou tu as mis épaissi là-dedans. Ou femelle, ou mettez petit persil frais chaud, et puis après ça, ou brasser, et puis qu'on a nous pour continuer suite procédure. Okay? Qu'on a là, une fois qu'elle est tiède, elle n'est pas refroidie complètement, elle est tiède, moi mettez une demi-tasse de fromage. Peu importe quel fromage vous avez, mettez là-dedans. Et maintenant, qu'on a là, pour mettre dans un moule. Mais moule là, moi beurre li, moi farine li. On a la main vider là-dedans. Waouh, c'est beau. Ça sent bon, ça sent de l'ambi. Et qu'on a la main, on va le mettre fou à 350 10 minutes. Pour qu'il soit 350 10 minutes, ma fin fait la 350 10 minutes. Et après 10 minutes, ma sautille pour mettre fromage là, ma montre nous. Pour mettre fromage sur lui. Ok? Moi sautille. C'est pas encore prêt là. Qu'on a la, moi mettre fromage là. Pour qui ça me mette le fait cuit là avant, parce qu'il m'a pas le coloré sans qu'il pas été cuit assez là, sans qu'il pas bien collé. Ok? Ok? Qu'on a là, on va le remettre dans le four encore pour 15 à 20 minutes qui a égal 30 minutes de cuisson toujours à 350 et voilà. Ok? Wow! Ok, mais le devant nous là, qu'on a là, c'est bien, n'est pas trop coloré, qu'on a va le quitter le refroidi. Bien, mais l'homme dit qu'il faut dire qu'il est bien tiède. Ok? Après ça, pour nous, aller. Quand on a l'âme qui est en fin de faire, mais il a qu'on a, mais l'âme gratiné avec banane. On a dit ni l'âme ni banane tout ensemble là. Qu'on a mal fait une petite présentation à 7 là pour nous. Ok? Mais on tire recette comme ça, me suggérer nous pour nous bailler toujours en entrée. C'est un chaud froid. On a dit là, il n'est pas tellement froid, mais il est tiède. Ok? Qu'on a là. Bon, on va faire une présentation à cette là pour nous. Normalement, l'on fait une recette ça, c'est ou même qui a aliment valeur. Avec dit là, c'est une petite banane avec l'ambi. Qu'on a là, on va mettre dans valeur. Et peut-être ça me dit, nous suggérons nous bailler en l'entrée. On va couper mince. Ok? Déposer. Ça là, c'est un petit chou. Moi, émincé, c'est très mince, comme si il me fait faire une sorte de petite salade. Ce qui ça me mettait là-dedans, même excepté mettre un petit huile d'olive et puis avec un petit trois poivres. Ok? That's it. Qu'on a là, on va le présenter à cette. Moi, c'est très beau. Qu'on a là, moi, mettre un petit coulis de réduction de balsamique. Un petit bouquet là. Et voilà. Ça, là, c'est une présentation de lambi gratiné avec banane. Lambi, c'est créole. Si banane, c'est bagay nous posséder la canon en pile, n'importe quel bel restaurant ou qu'a servi une présentation comme ça. C'était JFL Cuisine Créole. J'en fais